deux roues, une plateforme et un accroche-remorque. Rien d'extraordinaire et pourtant il s'agit bien d'une petite révolution pour le centre équestre de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ici, on a choisi de développer l'équitation pour les personnes en situation de handicap. Et cet engin, appelé Equilève, offre à tous un accès au cheval. On peut le monter à la hauteur qu'on veut, vous voyez ? Donc je peux monter la personne, si elle n'est pas capable d'enjamber le cheval de manière facile, je peux la monter assez haut pour pouvoir enjamber le cheval de manière très aisée en fait. Un outil très fonctionnel, apprécié entre autres par le groupe du foyer d'accueil d'adultes handicapés de la Gaubretière. Il faut dire que pour eux, le cheval est une véritable thérapie. L'intérêt premier, c'est déjà l'approche du cheval, enfin, toute la relation qui peut exister, et s'entretenir avec le cheval. Des intérêts physiques également, travail sur l'équilibre, la confiance en soi. Pour une activité qui comporte autant d'avantages, on comprend que le centre équestre n'ait pas hésité à investir dans l'équilève, même si l'acquisition de la machine ne se réduit pas à un simple coup de cœur. Il y a un travail à faire en amont pour qu'ensuite ce soit efficace avec les personnes handicapées, parce qu'il y a beaucoup, notamment beaucoup de gens angoissés, etc. Et donc si le cheval commence à bouger parce qu'il ne veut pas aller à côté de la machine, effectivement, il vaut mieux monter à côté, quoi. Mais monter à côté, pas question, alors on habitue les chevaux à la nouveauté pour que tout fonctionne à la perfection dans les conditions normales. Il faut dire qu'ici, l'équilève, c'est précieux, alors pour qu'il dure plus longtemps, comme un cheval, on en prend soin.